deuxième minute de l'heure, c'est le moment de notre bulletin régional où on s'attarde tout d'abord à ce qui nous attend dans le courant des prochaines heures, donc voir pour la nuit prochaine. Le front chaud dont nous écopons depuis aujourd'hui, finalement, depuis toute la journée, avec des nuages, des averses, eh bien, sera encore présent. Mais il remonte un peu et là, c'est la dépression en tant que telle qui va entrer chez nous par la porte du sud-est. Donc, c'est sûr que plus on est près du système comme tel, plus élevées sont les probabilités de précipitation. Et que plus on est en retrait, moins on a de précipitations à recevoir. Mais partout au Québec, l'air est instable et on peut connaître des averses. Alors, on va parler de possibilités d'averses plutôt minimes, mais il est là, ce risque d'averses, du côté de Val-d'Or cette nuit, avec des nuages, des éclaircies. Et il y a un risque d'orage aussi présent jusqu'en début de nuit. Tremblant-Gatineau, des nuages, des éclaircies, des averses dispersées, risque d'orage jusqu'en début de nuit. Averses dispersées sous un ciel plutôt couvert avec éclaircies pour Montréal. Sherbrooke, plutôt nuageux, comme à Québec, comme à Saguenay, où on aura à composer avec encore quelques averses dispersées. Rimouski, quelques averses dispersées encore en cours de nuit, alors qu'elles devraient cesser en Gaspésie pour laisser place à des éclaircies. Des nuages, des éclaircies avec possibilité d'averses pour la côte nord, c'est la même chose pour ce qui est de Moncton, quoique les probabilités sont un peu plus élevées chez vous. Les minimums de nuit, confortables, des petits vents à une dizaine de kilomètres à l'heure, en général du nord-est. Jeudi, la dépression est bien présente. Demain matin, soyez vigilants, surtout pour le sud et vers Québec. En périphérie des plans d'eau, il pourrait y avoir encore du brouillard, comme on en vit depuis le début de la semaine. Un brouillard assez épais qui réduit grandement la visibilité à moins de 1 km. À Val-d'Or, des nuages, des éclaircies, gouttes résiduelles, si on a quelque chose. Quelques petites gouttelettes possibles aussi du côté de cette île. En Gaspésie, des nuages, des éclaircies. Partout ailleurs où vous voyez les gouttelettes, où il n'y a pas d'éclaircies, on a des nuages et des averses dispersées qui sont présentes encore en après-midi. Et il y en a un risque d'orage aussi présent jusqu'en début de soirée. Demain, encore une fois, ce sera lourd et collant. Voyez avec le taux d'humidité ce que l'on ressentira à l'extérieur. Je reviens avec d'autres détails dans quelques secondes. Le soleil est intimement lié au cancer de la peau. En 1974, les dermatologues ont traité près de 2000 personnes et 25 ans plus tard, près de 20 000. Chez les hommes, le mélanome est le cancer qui progresse le plus rapidement. Il paraît que les hommes ne se protègent pas du soleil et nous, on va essayer de savoir pourquoi. Je travaille des mains sales, je ne mets pas la face dans, les mains en face. C'est pas le fun avec le poil, là, tu sais, parce que là, le poil, il vient comme... Il paraît comme si tu serais tout mouillé. Vous, vous vous crémez seulement lorsque votre femme est là parce qu'elle vous le rappelle. Parce que c'est elle qui me crème, en fin de compte. Moi, je m'en par exemple. La couleur que j'ai, j'en ai besoin de n'avoir. Sinon, j'ai dans les homards. Et vous, mesdames, pourquoi vous protégez-vous? Nous, les hommes, on est peut-être plus prudents sur ce côté-là, mais les femmes le sont moins. C'est une question de look. S'ils ne sont pas bronzés, ça ne fait pas leurs affaires. Donc, ils s'exposent plus au soleil qu'un homme. Alors, on y va maintenant avec ce qui va se passer à un peu plus long terme. Tout d'abord, demain matin, ça ressemble à quoi? Bien, ça ressemble un petit peu à ce matin. Des nuages, quelques averses, plutôt dispersées, mais elles sont au menu. Donc, apportez le parapluie, encore une fois, vous en aurez grandement besoin. Et les températures oscillent entre 14 et 18 degrés, avec des vents similaires à aujourd'hui, c'est-à-dire nord-est à 10-20 km à l'heure. Et demain, plus on va évoluer en après-midi, plus il y a le taux d'humidité qui est présent. Il est là même le matin, ce qui pourrait nous donner même à surveiller près des plans d'eau, là, du brouillard, comme ce que l'on connaît depuis le début de la semaine, finalement. Alors, encore des nuages au menu demain après-midi, quelques averses dispersées, un risque d'orage aussi. Température sous les normales, mais avec le taux d'humidité, ça peut ressembler à du 30 degrés à peu près, avec toujours cette petite présence de vent. Vendredi, grande amélioration. Ça devient variable pour le sud-ouest dès l'avant-midi, alors qu'il faudra patienter à l'après-midi avant que le soleil se pointe davantage vers les secteurs plus au centre. Le mercure est à la hausse puisqu'on profite de vents sud-ouest. Peu présents, mais ils sont là et ils nous aident pas mal. Pour ce qui est de samedi, il y a un front froid qui aura tendance à s'amener graduellement. Alors, il y a un certain ennuagement qui se fait dès le matin. Il y a des averses dispersées. Puis, dès l'après-midi, pour le sud-ouest, il y a de belles éclaircies. Alors que dans le centre, bien, l'ennuagement se fait samedi matin. Les averses sont prévues pour l'après-midi. Donc, les nuages sont plus présents. Les vents sont du secteur sud-ouest. Les températures, cette fois, devraient être pas mal dans les normales de saison. Manquez pas vos prévisions locales dans quelques minutes. Vos prévisions locales suivront immédiatement après la prévision pollen Claritin. Cette prévision pollen vous est présentée par Claritin. Mettez le nez dehors.
Prenez Claritin et mettez le nez dehors. Recherchez les emballages Claritin spécialement identifiés dans les magasins participants et vous pourriez gagner...